Hello mes loveuses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette masterclass où on va parler de comment trouver la bonne personne et vivre une relation sérieuse, durable, mais surtout épanouissante. Alors, je m'adresse aux femmes uniquement qui ont la trentaine, qui sont célibataires, qui s'intéressent réellement à la spiritualité et qui désirent trouver un homme réellement compatible avec elles afin d'avoir une relation durable, mais surtout épanouissante. Ce que je vais te présenter dans cette masterclass, c'est les 5 erreurs que tu commets en amour, d'accord, et qui t'éloigne de ton intention de départ, qui est de rencontrer, tu sais, le fameux homme de ta vie avec qui tu vas faire un minimum, un bon bout de chemin et qui correspond vraiment à ce que tu recherches, d'accord? On va voir les solutions, donc, liées à ces erreurs. Au moins, tu repartiras directement avec tous les résultats. Et ensuite, je vais te parler de ma méthode signature. Évidemment, je te montrerai comment on peut faire ce chemin, ce voyage intérieur ensemble et attirer cette relation que tu désires depuis très longtemps, voire même depuis toujours. Le résultat à la fin de cette masterclass, c'est des prises de conscience énormes qui vont changer à tout jamais ton mindset. Ce que tu vas entendre, tu ne l'auras jamais entendu. Ce qui me différencie, moi, sur mon marché, c'est ce côté, cette alliance entre la spiritualité, clairement, et ce côté coaching, thérapie. Moi, je me considère vraiment comme une guide. On va le voir dans un instant. Ensuite, ben, tu vas repartir, qu'on travaille ensemble ou non, avec de nouvelles actions à implémenter juste après cette masterclass. Donc, c'est cool. Les résultats vont arriver rapidement. Et bien évidemment, une solution adaptée qui a fait ses preuves auprès de milliers de personnes. On va en parler aussi. C'est ma fameuse méthode signature dont je te parlerai. Qui suis-je pour te présenter cette masterclass? J'aurais dû mettre mon nom et mon prénom sur la slide. Je m'appelle Laura Vercoutre et je suis guide, coach et mentor experte en relations amoureuses. J'ai accompagné près d'un millier de célibataires et couples jusqu'à aujourd'hui. Auto-édité 4 ouvrages, dont un cinquième qui est en écriture au moment où j'enregistre la masterclass. Et une expérience de vie forte et surtout inspirante avec deux choses très, voilà, très caractéristiques qui ont fait de moi celle que je suis. C'est la relation toxique avec mon papa qui était pervers narcissique, qui a fait qu'avec ma mère, on a été 22 ans sous emprise. Donc, voilà, une enfance pas très jolie, avec des belles leçons de vie par contre. Et la maladie, voilà, une maladie qui est toujours là actuellement, qui fait que j'ai mûri plus vite que les autres et que j'ai développé tous ces dons, ces capacités médiumniques, cette intuition, cette spiritualité, et voilà, qui est très inspirante pour bah, la plupart des personnes qui viennent à moi, qui se sentent appelées par mon énergie, mon parcours et mon message. Ce que j'ai envie de te dire avant que l'on voie le premier pilier, même s'il s'affiche à l'instant, c'est que c'est quoi la bonne personne en fait? C'est quoi la bonne personne? Ça veut dire quoi la bonne personne? Moi, j'ai envie juste de prendre 2 minutes pour te parler de c'est quoi la bonne personne. La bonne personne, c'est la personne qui te correspondra. C'est pas ce qui se fait à côté, c'est pas ce que dit ta mère, c'est pas ce que vit ta meilleure amie, c'est pas ce que tu entends de la société, c'est vraiment toi. C'est quoi ta recette idéale de l'amour et tu y mets tous les ingrédients qui collent avec ta personnalité, ton éducation et tes valeurs. Quoique même on pourrait enlever éducation parce que des fois il faut savoir aussi se défaire de ce qu'on nous a mis dans la tête et savoir tracer notre propre route. Ceci étant dit, on va passer tout de suite aux 5 erreurs qui bloquent la manifestation de la relation que tu désires depuis toujours. Et le premier point, c'est que tu n'as pas une vision suffisamment claire de la relation que tu désires et ce pour
tout un tas de raisons, notamment ton éducation, cette fidélité inconsciente envers tes parents, ta lignée, comment tu as été éduquée, ce qu'on t'a transmis, d'accord? Donc ta vision, elle peut être interférée par les influences extérieures, sociales et tout ça. Et surtout, tu n'as pas grandi assez ton niveau d'autorisation pour cette relation. C'est-à-dire que tu as des croyances, et on va aller les libérer ensemble, tu as des croyances sur l'amour. Peut-être que c'est disponible pour ta meilleure amie, mais pas pour toi, parce que toi, tu comprends, c'est compliqué, etc. Et toutes ces petites choses-là altèrent, dont d'autres choses, évidemment, là, c'est une présentation rapide, hein. Le travail vraiment profond que l'on fait, c'est en travaillant avec moi, évidemment, et on va le voir, tout ça altère la clarté de la relation que tu désires. Il faut impérativement que tu te reconnectes à une vision claire de la relation que tu désires pour pouvoir la manifester et faire fuir, entre guillemets, tous les hommes qui ne matchent pas avec cette relation idéale, celle qui te correspond véritablement. Donc, je te mets une petite solution. À chaque fois, il va y avoir erreur, solution. Ce que je t'invite à faire, c'est un exercice tout simple de vision board où tu vas pouvoir mettre des images, des inspirations et pouvoir tous les jours te connecter à cette intention d'attirer cette relation. Et tu sais, le cerveau, on l'apprendra ensemble, ne fait absolument pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, à force de visualiser cette intention avec ce vision board, etc., de l'imprégner dans tous les pores de ta peau. Et on le verra ensemble, on peut faire des méditations. Il y a des choses vraiment géniales à coupler avec le théorique plus la spiritualité. Tu vas voir, ça va être juste génial. Eh bien, tu vas l'attirer à toi. Je te donne juste un exemple. Tous les ans, je fais un vision board et à chaque fois, j'ai tout ce que j'ai mis dans mon vision board. Il y a 2 ans, j'avais fait un vision board où j'avais mis un voyage en Polynésie, un lapin, etc. J'ai été en Polynésie et j'ai eu un lapin qui était exactement trait pour trait la photo que j'avais collée sur mon vision board. Si c'est pas incroyable, ça. Pourquoi? Parce que à force de se connecter, on incarne cette personne qui a déjà cette vie de rêve que l'on a placardée peut-être sur notre frigo. Donc, premièrement, mes conseils, c'est de faire un vision board. Ensuite, c'est de faire le point sur ce que tu attends d'une relation, sur ce que tu veux apporter dans la relation et sur les intolérances que tu as vis-à-vis de la relation. C'est un exercice très puissant que je n'ai pas inventé, qui vient de Jacques Salomé, que j'ai juste amélioré, que je te partagerai si on est amené à travailler ensemble plus en profondeur, je te partagerai tout ça. En gros, les attentes à port intolérance, c'est un cadre qui va te permettre en fait de toujours te référer à ça. Qu'est-ce que tu attends d'une relation? Qu'est-ce que tu as envie que ça t'apporte, que ça te fasse ressentir, qu'est-ce que tu as envie de vivre avec cette personne, ok? Et puis, qu'est-ce que tu veux apporter, toi, en tant qu'être humain, à cette relation? Et les intolérances, pardon, il y a une petite coquille, une petite faute d'orthographe. Les intolérances, c'est vraiment ce qui n'est pas possible ou ce qui n'est plus possible. Et c'est ce qui compte pour toi, en fait, en termes d'intolérance. Ça peut être la violence, ça peut être l'infidélité, ça peut être tout ça à la fois. Et dernièrement, pour t'aider avec ce premier pilier, c'est grandir ton niveau d'autorisation pour avoir une vision plus claire et de la relation que tu désires. Il faut grandir ton niveau d'autorisation. Tu vis à la hauteur de ton niveau d'autorisation. Ce que tu as aujourd'hui et qui ne te convient pas, le fait que tu sois célibataire, que tu attires toujours les mêmes types d'hommes, les relations qui ne mènent à rien, les relations à échec, entre guillemets, tout ça, c'est dû principalement à ton niveau d'autorisation. Parce que peut-être que tu te sens pas méritante, parce que peut-être on t'a dit que t'étais pas assez jolie ou assez bien, ou que t'as été rabaissée, ou que t'es tombée sur un pervers narcissique, ou que dans ton enfance, on te faisait comprendre que t'avais pas le droit de prendre la parole, etc. Tout ça sont des freins intérieurs inconscients que l'on vient travailler dans mon univers.
La deuxième erreur, c'est te laisser influencer par l'extérieur. Tu sais, la meilleure amie qui te dit non, mais ça, tu peux pas le demander, ça n'existe pas à notre époque et on n'est pas dans Disney et les parents qui s'y mettent et la société qui s'y met et qui crée un brouhaha mental où on n'arrive plus à penser par nous-mêmes et à se reconnecter à notre vision et à notre rêve parce qu'on est On en devient persuadé que c'est impossible ou que c'est trop éloigné ou de notre vision idéale ou alors que l'on va devoir faire des sacrifices sur certains points parce que tu comprends, tu as entendu qu'on ne peut pas tout avoir. Dans mon univers, je peux te garantir que tu peux absolument tout demander, tout avoir. Le mec fidèle, le mec gentil, le mec avec qui faire des enfants, le mec avec qui voyager, ou peu importe, c'est quoi ta recette, tu peux tout avoir. Il n'y a pas besoin de faire des choix ou encore moins des sacrifices, ok? Pour éviter de se laisser influencer, la solution, c'est de t'entourer de personnes qui soutiennent ta vie idéale, qui ont le même mindset, le même état d'esprit que toi, d'accord? Et faire un tri. Moi-même, j'ai fait un tri dans mon entourage pour me connecter à des personnes qui vibraient plus avec ce que je désirais. Des fois, ce ne sera pas la famille ou les amis, mais ça va être des mentors qui vont nous inspirer, des coachs, voilà. Un cercle un cercle social, des groupes, etc. Vraiment, sache t'entourer. Ensuite, évidemment, c'est de faire le deuil de tes ex ou même le deuil de ton passé. Ça, on le verra plutôt dans mon accompagnement. Le deuil voilà, de ton enfance, des choses qui t'ont perturbé, qui sont à l'origine de tes blocages et de tes freins intérieurs. Et dernièrement, petit conseil, c'est de te libérer de la fidélité inconsciente, notamment envers ton éducation, tes parents, ta lignée. Des fois, on voit sur des générations des femmes qui souffrent en amour parce qu'elles ont cette fidélité inconsciente. Mais qui suis-je moi alors que mes grands-mères, mes mères, ma mère, pardon, ma grand-mère ont été violées, par exemple, ce qui est mon cas. Moi, c'est sur des lignées. Ma grand-mère a été violée, ma mère a été violée, ma grand-mère a été frappée par son mari, ma mère aussi. Tout ça reste et c'est ce qu'on vient libérer dans mon univers. Il faut se détacher des choses qui ne nous appartiennent pas, mais aussi se libérer de la fidélité inconsciente envers cette lignée, ses parents, pour pouvoir se construire ce que l'on désire, nous. Ok, on fait de mal à personne. Ensuite, prendre du temps alors que perdre du temps, pardon, alors que ton intuition savait, oui, tu sais, tu perds du temps avec des hommes qui sont infidèles, qui sont désengagés, qui ne savent pas où ils vont, qui n'ont pas oublié leur ex. C'est fini tout ça. T'as pas de temps à perdre. D'ailleurs, c'est un de mes livres. Next, arrête de perdre ton temps en amour. Je t'invite à le commander. C'est vraiment le sujet qui, en plus de cette masterclass, va vraiment t'aider. T'as pas le temps. Toi, tu veux avoir cette relation saine, durable, épanouissante, ok? Peut-être l'horloge elle tourne, j'en sais rien, peut-être tu as envie de fonder ta famille, en tout cas si ça résonne, bah, tant mieux. Et donc tu n'as pas le temps de commencer des relations qui vont mener à rien, ok? Donc fais-toi confiance, suis ton intuition. Quand tu le sens pas ou quand tu entends que le discours ne colle pas avec ta vision de départ, on en revient toujours aux autres piliers, et ben next, c'est pas le bon match, et puis tu trouveras quelqu'un d'autre qui fit mieux avec toi. Ensuite, ben c'est de savoir dire non, et ça c'est un gros sujet que l'on travaille aussi dans mon univers. Et ensuite, apprendre à repérer les relations viables, durable, des relations qui ne mèneront à rien. Quatrième erreur, répéter les mêmes erreurs. Tu sais, c'est comme le film de Noël, le mec se lève, il fait tomber sa tartine, tatati, tatata, son chien lui a mangé sa pantoufle, et peu importe, il a une journée de merde, sa biscotte est tombée du mauvais côté, il se couche, il se dit, ouais, c'était une journée pourrie, et le lendemain, il recommence, paf, c'est la même journée du 24 décembre. Généralement, c'est les films de Noël, je vous dis. C'est quoi le message? Qu'est-ce qu'il disait Einstein? La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et s'attendre à un résultat différent. Donc, vraiment, mon conseil, c'est
pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Tu sais, les mêmes erreurs, c'est je tombe toujours sur le même type d'homme infidèle, Laura. What the fuck? Eh bien, reviens à ta grande vision. Comme ça t'évitera de répéter les mêmes erreurs. Ok? Donc, tous ceux qui fitteront pas avec ta grande vision, bah, next. Comme ça, il n'y aura pas de répétition de schéma. Rebelote, apprendre à dire non. Et enfin, apprendre à sortir du schéma en changeant son mindset, mais aussi ses actions. Et ça, on le verra. Dernière erreur, eh bien, ne pas apprendre. Et donc, ne pas apprendre, c'est ne pas apprendre de toi, ne pas apprendre de la vie, ne pas apprendre de ses erreurs et ne pas apprendre tout court. Rester seul dans sa problématique. Moi, ça fait. J'ai mis 20 ans à vraiment. Comment dire? À être satisfaite de qui je suis, à développer un mindset de fou, que je continue encore, évidemment, c'est un travail de tous les jours, accroître grandir mon niveau d'autorisation, mon intelligence émotionnelle, tout ça, j'aurais mis énormément moins de temps si j'avais été accompagnée. Donc, mon conseil, c'est apprendre de tes erreurs, et je mets des guillemets, hein, parce que erreur, c'est juste une perception. Se documenter, lis, suis des masterclass, suis des mentors qui sont vraiment inspirés et puis surtout fais-toi accompagner pour aller plus vite et éviter de perdre ton temps. Moi, je te le dis, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables en amour. J'ai rencontré un compagnon qui a levé la main sur moi et comme je le vivais aussi. Comme ma mère le vivait aussi par rapport à mon enfance avec mon père, eh bien, limite, j'ai trouvé ça normal. Je m'amourachais d'hommes qui n'étaient pas intéressés par moi, qui disaient non, j'ai pas envie de m'engager, mais en tout cas, ils s'engageaient avec d'autres filles, hein, ou alors qui étaient vraiment infidèles ou toxiques. Donc, voilà, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables avant de rencontrer celui qui allait devenir mon mari et avec qui je suis depuis 14 ans. Donc tu vois que vraiment, je veux te dire que j'incarne mon message, que je te comprends, que je l'ai vécu et que je vais t'éviter de perdre un temps considérable et de souffrir tout simplement, de vivre ça toute seule. Maintenant, ce que l'on va faire ensemble, si tu souhaites rentrer dans mon univers, eh bien, c'est d'aller transformer tes blocages amoureux en véritable opportunité de trouver l'amour, le vrai, cette fameuse relation que tu désires depuis toujours. Elle sera là, ok, et ce ne sera pas une autre, il n'y aura pas de négociation. Et puis, ce sera une relation saine, durable et épanouissante. Tout ça, on va le voir avec mon offre qui s'appelle Magnetic Love pour le côté loi de l'attraction, puis ce côté spirituel, etc. On va le voir en seulement 90 jours, tu te rends compte? Imagine un peu à quel point ta vie, elle pourrait changer en seulement 90 jours. Ce que l'on va voir ensemble, les piliers. Alors déjà, il y a une partie mindset, une partie action et une partie spiritualité. Ça ne sera pas plus long que seulement trois étapes, ok? Parce que si c'est trop complexe ou trop long, tu vas pas avoir envie, ça va te décourager et tu vas te dire, moi, c'est voilà, je suis pas satisfaite. Moi, le but, évidemment, c'est que tu sois satisfaite, ok? Donc, au niveau du mindset, on va venir travailler tes blocages, tes freins inconscients, tes peurs, tes croyances limitantes, d'accord? Donc, une vraie reconnexion à soi. On va apprendre de toi, connaissance de soi et amour de soi. Et reconnecter à ta vision, d'accord? Et on s'en égarera pas. Dans un deuxième temps, on verra les actions à poser. Je t'apprendrai à sortir de ta zone de confort, à poser une intention et à être vraiment engagé. À dire non à tous ceux qui fitteront pas, à être vraiment engagé pleinement. Et puis, on verra des choses plus spirituelles, apprendre à se détacher. Quand on pose une intention, après, on a tendance à être attaché au temps ou certaines choses. On va voir des choses beaucoup plus spirituelles. D'ailleurs, c'est le titre de mon dernier livre,
qui est en cours de rédaction, les 10 lois spirituelles qui vont révolutionner ta vie amoureuse. Je te l'offre en avant-première dans ces 90 jours, avant même que le livre soit sorti. Je te l'offre. Il y aura des méditations pour reprogrammer ton subconscient. Il y aura des guidances avec les oracles parce que les filles adorent que je leur tire les cartes. Il y aura des affirmations positives et les fameuses lois spirituelles. Aujourd'hui, clairement, et tu te reconnaîtras, tu es tombé sur des hommes qui ne correspondaient pas à ce que tu souhaitais ou qui et ou qui t'ont déçu, donc les désengagés, les infidèles, les hommes toxiques, ok. Tu voudrais te libérer des freins intérieurs et y croire de nouveau, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, tu es un peu résigné, mais au fond de toi, tu as toujours cet espoir que les choses changent, d'accord? Et tu souhaites avoir une solution simple, rapide et efficace pour faire la rencontre de ta vie, et bien sache que tu es au bon endroit. Magnetic Love, c'est ma méthode signature Sol en 3 étapes. Donc, c'est une méthode que j'ai moi-même créée et c'est ce que j'ai incarné pendant des années. Et avant de rencontrer mon mari, c'est aussi ce que j'ai mis en place. Mais moi, je l'ai fait toute seule et ça a duré près de 20 ans pour arriver à avoir ce que je veux. Donc, je vais t'éviter tout ça, évidemment. Et je vais te présenter cette méthode dans un instant. Il y aura des coachings avec moi très puissant, d'accord, 6 de mémoire. Il y aura des outils spirituels et accélérateurs de résultats, on l'a vu dans la slide précédente, et des bonus et cadeaux, on le verra dans un instant. La méthode Sol, voici le logo, illumine ta vie amoureuse, donc quelque chose de très spirituel, ok. Et je suis vraiment très fière de cette méthode. C'est une méthode que tu ne trouveras nulle part ailleurs, que j'ai déposée, brevetée. Donc voilà, je suis ravie de te la présenter. En 3 étapes seulement, tu obtiendras les résultats que tu souhaites. Alors attention, je tiens à préciser, je ne te promets pas qu'à la fin des 90 jours, tu auras trouvé l'homme de ta vie. Mais par contre, ce que je te promets, c'est que tu seras plus qu'en chemin si tu ne l'as pas trouvé ou à un chouïa de le rencontrer parce que tu auras fait tout un travail intérieur qui te permettra de magnétiser naturellement cette personne à toi. Ce n'est pas de la magie, d'accord? C'est la vie qui est faite comme ça. Tout est une question de d'abord aller chercher en soi pour après attirer. Sol, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, S pour situation actuelle. Ensemble, nous allons passer en revue ta situation actuelle, connectée à ta grande vision. Donc, tu seras conscient de ce que tu vis, d'accord? Parce que si tu n'es pas conscient de ce que tu vis, tu es dans le déni, ben, on ne pourra pas avancer. Et d'où tu désires aller avec précision, notamment connecté à cette relation par le vision board et d'autres choses aussi très puissantes. Deuxième étape. O pour origine, on va mettre en lumière les freins conscients et inconscients, qui t'éloignent de ton souhait, de ton intention, de cette relation que tu désires vraiment. Donc un vrai travail en profondeur, mais attention en douceur. On n'y va pas à la lampe torche avec les blessures. On n'est pas ici pour se faire souffrance, ok? Dernière étape, L pour libération, on va venir vraiment débloquer toutes tes croyances qu'on a mises en lumière. C'est franchement un truc de fou. À partir du moment où tu mets de la conscience, ça se débloque limite quasiment instantanément et sans effort, en mettant beaucoup d'amour, d'accord, sur tes blessures, sur ce que tu auras mis en lumière, et donc des libérations puissantes pour avancer et poser des actions quand même alignées avec ton intention. Après Magnetic Love, tu auras donc une connaissance et un amour de toi décuplé. Tu auras grandi ton intelligence émotionnelle, reconnecté à ta grande vision de départ, libéré tes freins intérieurs, tes croyances, tes blessures. Tu sauras enfin différencier les relations viables, durables, des relations qui ne mènent à rien. Tu seras sorti de ta zone de confort, ok, et des schémas de répétition. Donc, fini de refaire la boucle infernale, hein. On n'a plus le temps pour ça et tu sauras enfin attirer à toi la bonne personne, celle qui est faite pour toi.
Il y aura donc des coachings, 6 séances, d'accord? Alors, je vais le dire brièvement, il y aura une option groupe, si tu aimes l'énergie du groupe, et une option vraiment one-to-one avec moi. Donc, tu auras quand même les 6 sessions de coaching, un soutien régulier et des lives si on est en option de groupe. Les outils spirituels, ben les méditations, les affirmations positives. J'ai créé un PDF 50 affirmations positives. Donc voilà, puis il sera aussi en format audio. Donc à force de l'écouter, tu viendras vraiment incarner cette personne qui a déjà cette relation qu'elle désire vraiment, vraiment un travail spirituel profond. Et je t'offre en avant-première, même si le livre n'est pas sorti, les fameuses 10 lois spirituelles qui vont révolutionner ta vie amoureuse. Les bonus, on l'a dit, les affirmations positives. Je t'offre aussi en format PDF mon livre, le journal de bord pour les célibataires, où en gros, pendant 21 jours, tu as des défis pour t'aider à trouver l'amour. C'est vraiment un super livre, donc je te l'offre en version PDF. Tu as la masterclass des 10 lois spirituelles, on l'a vu, et le parrainage. Le parrainage, qu'est-ce que c'est? Si tu invites une amie à toi à rejoindre l'expérience, qu'elle soit en groupe ou en one and one, eh bien, tu obtiendras une réduction de 100 € par personne parrainé, et tu peux parrainer jusqu'à 3 personnes, donc c'est vraiment énorme comme opportunité. Le prix maintenant que j'assume complètement et qui vibre pour moi, je suis extrêmement heureuse de te dire que pour seulement 1 200 € en one-to-one avec moi en individuel, en 90 jours, voilà, 1 200 €. Évidemment, tu peux payer en plusieurs fois, hein, ça va de soi, tu peux payer jusqu'en 3 fois, d'accord? Donc, c'est juste génial. Pour moi, ça n'a pas de prix parce que toutes les conséquences qu'il y aura si tu restes dans ta situation, tu n'auras pas ta famille tout de suite, tu construiras pas ta maison, tu voyageras pas, ou peu importe ce qui est vraiment important pour toi, mais pense à tout ce que tu... Moi, franchement, si j'avais investi cette somme avec une mentor qui aurait une feuille de route pour m'emmener directement vers mon mari, mais j'aurais acheté, et j'en aurais parlé à toutes mes amies, tellement ça m'a pris du temps, de l'énergie et plein de montagnes russes émotionnelles avant d'avoir, voilà, avant de trouver le bon. Donc, j'aurais adoré m'offrir ce coaching. C'est pour ça que je suis amoureuse complète de ma méthode signature, de mon offre. Et 500 € si tu choisis l'option de groupe, et n'oublie pas le système de parrainage, donc ça te fait baisser aussi le montant de ton coaching. Voilà pour cette masterclass, je suis ravie de te l'avoir présentée. Tu peux réserver à cette adresse https://lauravercoutre.reservio.com pour prendre un appel avec moi et discuter de ce coaching. Si tu as des objections, si tu as des questions, là c'était une présentation courte pour qu'elle soit digeste. Je t'ai mis mon numéro de téléphone, d'accord, et mon site internet, et tu peux aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Laura Vercoutre Coaching. J'ai été ravie de te présenter cette masterclass. Je serai ravie que tu rentres dans mon univers et qu'on aille dégommer toutes tes croyances pour enfin attirer l'homme de tes rêves. Donc si l'expérience te tente, eh bien, avec grand plaisir, on se retrouve de l'autre côté de l'aventure, de l'expérience, de ce voyage intérieur qui t'attend, qui va être juste exceptionnel. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette masterclass et on se dit à très bientôt. N'oublie pas de t'aimer, c'est la clé. Je t'embrasse. Je vous embrasse, les filles, mes loveuses.